Bonjour, bienvenue dans On vous écoute. Encore trop de violences sexistes ou sexuelles ont lieu envers les femmes. Aujourd'hui, sur le plateau de On vous écoute, j'accueille Nadine Bonne et Zakia qui nous parlent de ces violences et comment les combattre, comment les avertir pour toutes celles qui en ont besoin. Nadine, bonjour. Zakia, bonjour. Bonjour. Alors Nadine, vous êtes militante auprès du panier Familial 62. Oui, tout à fait. Et Zakia, vous êtes, vous faites partie de l'association Solfa. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter euh, ce que c'est que le panier familial Rappelez ce que c'est, parce que peut-être que certaines personnes ne connaissent pas le panier familial, même si ça fait euh, beaucoup d'années que ça existe. Oui, c'est un vieux mouvement euh, d'éducation populaire et féministe qui euh, est intervenu pour que les femmes gagnent le droit euh, d'accéder à la contraception et à l'avortement et qui aujourd'hui euh, accompagne les femmes et les jeunes et les hommes et, euh, sur tout ce qui concerne de près ou de loin euh, à la santé sexuelle, à l'égalité euh, homme-femme et euh, qui accueille également des personnes victimes de violences euh, conjugales ou sexuelles. Et l'association Solfa, alors Alors, l'association Solfa est une association euh, qui est née en 1947. Donc, c'est une vieille association donc, qui euh, se divise en trois pôles. Et euh, moi, j'interviens sur le pôle violence faites aux femmes. Donc, c'est un service, le service Bruneo, qui euh, propose une écoute, un accueil, un accompagnement et des hébergements pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Alors, pourquoi ici, on, on est ici dans On vous écoute pour parler encore des violences euh, conjugales, mais pas seulement parce qu'il y a des euh, violences faites aux femmes, mais aussi euh, à d'autres personnes. Comme on peut parler des homosexuels, on peut parler de, des jeunes filles, etc. Pourquoi on est encore obligé de, ben, de se battre contre ces violences On n'est pas assez informé, il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour, euh, pour les femmes ben, Je crois que c'est euh, intrinsèque à une société qui est quand même basée sur euh, le patriarcat. Et euh, on a tous et toutes intégré euh, comme naturel la domination des hommes sur les femmes, euh, même si euh, dans les faits on évolue tout doucement sur cette question. Et il y a euh, des tas de rouages dans la société aujourd'hui telle qu'elle est organisée qui font que euh, euh, les relations hommes-femmes sont pas basées sur un rapport, un rapport d'égalité et de respect mutuel. Alors, que, comment on peut définir les violences alors la violence conjugale, euh, dès lors qu'on parle d'emprise de, ou de domination d'une personne sur l'autre, euh, on va parler de violence euh, conjugale. Euh, pour rebondir aussi sur que, ce que disait Nadine, effectivement, les violences conjugales ont souvent été euh, l'histoire de la sphère privée. Donc euh, voilà, à l'époque, euh, voilà, ce qui se passait dans les maisons n'intéressait personne. Et effectivement, dans une société patriarcale, euh, on se disait que ce sont des problèmes qu'on réglait euh, entre couples, dans la famille. Aujourd'hui, heureusement, ça tend à être. Les femmes libèrent plus la parole, même si ça reste encore compliqué. Mais effectivement, de la sphère privée, on arrive aujourd'hui à en faire un problème de santé publique. Comment on arrive à se dire je suis victime de violence Alors, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué puisque la violence effectivement, elle s'installe de façon très insidieuse, surtout quand elle n'a pas physique. Euh, la violence psychologique est très difficilement palpable puisque c'est une violence invisible. Donc les femmes effectivement ont du mal ont du mal à se reconnaître en tant que femmes victimes de violence quand elle n'est pas associée à une violence qui est visible. La violence psychologique par exemple, euh, elle ne se voit pas. Concrètement, ça peut être quoi Alors du dénigrement par exemple. Une femme qui est du euh, matin au soir dénigrée euh, dans son intégrité, dans son dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente. Euh, à un moment donné, le risque, c'est qu'elle va l'intégrer. Donc, avec les impacts qu'on peut connaître face à la violence psychologique, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, euh, ce sont des femmes qui se sentent complètement dévalorisées. Parce qu'effectivement, elles ont intégré le fait qu'elles étaient euh, de mauvaises femmes et qu'elles méritaient surtout euh, les violences euh, qu'elles leur étaient infligées. Alors, qu'est-ce qui fait que ces femmes, euh, à un moment donné, elles décident de partir, mais qu'elles partent pas ou qu'elles reviennent ou qu'on entende euh, parfois les gens dire, oh bah, pff, finalement, euh, elle revient, c'est de sa faute, etc. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce soit comme ça? Bah, globalement, on peut dire qu'il y a deux catégories d'explications. Il y a les conditions de prise en charge et d'accueil qui sont réservées à ces femmes, qui sont pas à la hauteur des besoins et des enjeux. Et puis après, il y a les côtés euh, psychologiques, avec divers euh, mécanismes qui se mettent en place et qui peuvent expliquer que ces femmes euh, ont du mal à à partir, voire même quand elles partent une première fois, eh bien reviennent euh, en moyenne, je pense à euh, sept ou huit fois. Un euh, départ, euh, avant ouais. un départ définitif. Hein. C'est pour dire qu'effectivement, la sortie des violences, la sortie de l'emprise, euh, quelque chose de très très compliqué. Il euh, y a une culpabilité qui est quasi omniprésente chez les femmes qui vivent ce genre de violence Pourquoi Parce qu'il y a une déresponsabilisation qui est très importante de la part de l'auteur, qui va toujours effectivement culpabiliser la victime pour se déresponsabiliser. Et encore une fois je le répète elle va intégrer le fait qu'elle est coupable de ces violences donc elle va parfois décider de rester parce qu'elle ne, elle ne elle se, elle se sent coupable il y a, il y a, des, il y a des lieux d'accueil pour ces femmes il y a des, il y a des solutions proposées quand même pour ces femmes Oui, bien sûr. J'ai envie en premier lieu de parler du numéro national le 3919, hein, qui est une association de la Fédération Solidarité Femmes dont Solfa est adhérent, euh, où les femmes peuvent avoir une écoute téléphonique anonyme, confidentielle, empathique, où elles vont être réorientées sur des, asso des associations de proximité. Donc euh, ça part d'une écoute à une proposition de rendez-vous et d'accompagnement vers la sortie des violences. Il y a les enfants aussi qui comptent beaucoup dans, ce, dans cette sphère euh, infernale. Bien sûr, comment on fait pour, pour les aider pour euh pour sortir de ce, cette violence aussi. Mais j'ai envie de dire au même titre que les femmes, c'est de pouvoir les, les écouter, les écouter et les accompagner dans dans ce qu'ils ont vécu. Alors c'est toujours très compliqué aussi pour les enfants de de suivre leur maman. Là on le voit par exemple en hébergement quand les mamans arrivent avec leurs enfants. Parfois les enfants peuvent se transformer en petits bourreaux de façon inconsciente, hein, mais effectivement de pouvoir reprocher une culpabilité qui va qui va ajouter à la femme qui, qui décide de partir à un moment donné avec les enfants parce qu'elle parce qu va, elle va culpabiliser de, de les avoir extraits d'une vie de famille qui semblait bien. Et en fait, c'est aussi nous notre rôle d'expliquer à ces femmes-là l'impact que les violences peuvent avoir sur les enfants. Alors cet été, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle tute. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Oui, c'est un... C'est un ensemble d'associations au niveau national qui, cet été, à Paris, a décidé... Euh après euh, tout ce qui s'est passé l'hiver dernier, euh, euh, où la parole des femmes s'est libérée euh, au travers de MeToo, au travers de Balancéonport, euh, donc cet euh, ensemble d'associations, euh, tout à la fois en applaudissant le fait qu'on permette aux femmes de libérer la parole, euh, pointe le fait que ça ne suffit pas, hein, ça ne règle pas le problème de la violence. Euh, il faut d'abord tout faire pour euh, qu'elle n'existe plus et puis tout faire aussi pour que tant qu'il y a des victimes, les femmes soient accueillies, écoutées, prises en charge autrement, qui est aussi des informations pour qu'elles Comprennent qu'elles sont victimes euh, euh, ou de violences conjugales quand c'est au sein du couple, ou de violences sexistes quand c'est euh, sur le lieu de travail, dans la rue, euh, etc. Euh, et il y a besoin que l'information soit diffusée et que l'accueil soit, euh, soit amélioré. Est-ce que le, le soutien de personnalités comme Muriel Robin, par exemple, qu'on a vu euh, euh, dernièrement sur un téléfilm avec euh, une dame de, du Nord en plus, qui a assassiné son mère, est-ce que c'est important d'avoir des soutiens aussi comme cela ben, tous les soutiens sont importants. sont importants. Tous les soutiens sont importants. Toutes les actions, toutes les associations différentes qui agissent sur ce terrain-là ont peut-être euh, des petites nuances dans leur perception des choses, dans l'analyse, dans ce qu'elles réclament. Mais le, le problème est tellement euh, important. Hein, il con, il euh, concerne officiellement une femme sur dix. Donc vous faites le compte des femmes de votre entourage. Une femme sur dix, c'est énorme. Euh, il faut savoir, par exemple, que tous les trois jours deux jours et demi même, euh, euh, une femme meurt sous les coups de son conjoint et une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, ça ne rend pas compte de ce qu'elle a vécu avant et de ce que vivent celles qui ne vont pas jusqu'au décès euh, et ça touche toutes les catégories sociales. Dans nos permanences, que ce soit au planning à Solfa ou au CDFF, on accueille des femmes de, euh, de chefs d'entreprise, des femmes de chirurgiens, des femmes d'enseignants, euh, des femmes d'ouvriers, des employés. Euh, ça touche vraiment tout le monde, dans tous les quartiers, euh, sur euh, l'arrondissement de Lens, euh, euh, on reçoit des femmes qui viennent de quartiers populaires, des femmes qui viennent de quartiers centre-ville. Euh, ça concerne vraiment euh, énormément de monde, quoi. Et euh, partout en France. Et dire, il n'y en a pas plus dans le nord que dans le sud, qu'à l'est, qu'à l'ouest. Je pense que de, sur le nord-Pas-de-Calais, on est bien placé après l'île de France, effectivement, au niveau des. Biens. Et, et, et c'est difficile de de d'aider de, ces, ces personnes qui sont en difficulté. C'est très difficile pour des associations qui sont peu nombreuses, je pense. Ben je pense que, que c'est surtout pour elles que c'est difficile d'arriver jusqu'à nous, euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Hein, euh, mais en fait, non, il faut juste intégrer le fait qu'un départ de domicile quand on est victime de violences conjugales, c'est le parcours du combattant. Ces femmes qui doivent vraiment avoir beaucoup de courage pour aller au bout de la démarche. Donc euh, oui, c'est compliqué pour en, nous en tant qu'accompagnantes de ces personnes-là, effectivement, mais c'est surtout pour elles que c'est compliqué. Mais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes qui ont peut-être besoin de... Bah, de... Bah, qu'elles qu arrêtent de culpabiliser la situation. Elles ne sont pas responsables euh, des, euh, de la violence qui leur a infligée, quoi qu'elles aient fait. Euh, rien ne peut justifier euh, de dénigrer l'autre, ou de le détruire, ou de le, de le violenter. Et euh, bah ce que moi j'aurais envie de leur dire, c'est bah, libérer la parole. Libérer la parole, parlez-en. Ne restez pas seuls Ne restez surtout, ne restez pas seuls et surtout, peut-être il y a un numéro de téléphone, y a, euh, des peut lieux peut-être. Hein. Excusez-moi, peut-être oui. qu'on peut compléter en disant aussi que prenez conscience que ce que vous vivez n'est pas normal. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, que ce soit psychologique ou physique, et qui ne se rendent pas compte que ce qu'elles vivent, ça n'est pas normal. C'est pas, euh, c'est pas une façon acceptable de vivre, et c'est un, un mode de fonctionnement qui doit être interrogé et remis en cause, quoi. Et surtout, il faut, faut en parler alors. Tout à il faut fait. Vraiment en parler. Tout à fait. Et donc, euh, à quels endroits elle peut en parler Il y a un numéro de téléphone, il y a euh, des pages euh, peut-être de réseaux sociaux, des adresses internet qu'on peut rappeler alors bah, comme je disais il y a le 3919 alors après sur le a un numéro national un appel a un gratuit. numéro national un appel gratuit alors je parle du 3919 parce qu'ils ont des plages horaires qui sont quand même bon voilà du, du lundi au samedi jusqu'à 22h on sait aussi que le soir ça peut être source d'angoisse pour certaines femmes donc voilà nous effectivement on n'a pas ces plages horaires euh, sur euh, sur les soirées il y a effectivement alors le 03 21 70 82 75 qui a un service d'écoute euh, de l'association Solfa il y a le planning familial, qui peut aussi répondre à ces à ces demandes-là, les permanences des centres d de, des centres d'information des droits des femmes et des familles, euh, qui aussi peuvent euh, renseigner juridiquement les femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est de pouvoir leur apporter toutes les billes à un moment donné pour qu'elles aient ces bagages-là à un moment donné, qu'elles se disent, bah oui, c'est pas normal ce que je vis et j'ai les moyens, je pourrais partir. Voilà, on peut m'aider à, à sortir de, de de cette emprise, de cette violence que je vis au quotidien. Mais c'est plus facile passant par euh, ce type d'association, ou euh, est-ce que vraiment ça peut les aider oui. Que, euh, oui, je pense que c'est compliqué. Ça n'évolue vaut... pas en fait. Moi, j'ai l'impression que les violences aux femmes, on en parle depuis tellement longtemps et qu'on n'a pas réussi à, à sortir, à aider toutes ces femmes. Bah, je pense qu'on en parle aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'il y a facilement. 20 ans. Déjà, ouais. voilà. Aujourd'hui, on libère une parole. Il y a une parole qui est quand même libérée aujourd'hui, hein, de par euh, tous les mouvements qu'il y a eu. C'est la médiatisation aussi qu'il y a eu autour de, de tous les mouvements. Les réseaux sociaux, ça aide beaucoup aussi, je pense. Comment Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, Facebook alors à... et, oui. Euh, oui. Tous ces réseaux, peut-être, plus les femmes à se. À se Tout dévoiler. à fait. Je pense que ce qui est important pour ces femmes-là, c'est qu'elles ne se sentent pas seules dans ce qu'elles vivent, parce que souvent, elles ont l'impression d'être seules à vivre ce qu'elles vivent et de pouvoir voilà, avoir un regard un peu plus large sur ce qui se passe pour les autres femmes. Voilà, ça les déculpabilise déjà en disant bah mince, finalement, c'est peut-être pas moi qui ai généré ça. C'est peut-être aussi un fonctionnement et euh, voilà, je suis victime de violence, mais je ne suis pas toute seule. Voilà, ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la parole, elle se libère un peu plus. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter pour aider euh, non, sauf euh, inviter euh, les femmes à, à franchir le pas d'aller demander de l'aide, ne serait-ce qu'une aide d'écoute. Hein. Euh, pousser une porte pour demander euh, à être écoutée, ça ne veut pas dire qu'on va être obligé ensuite de faire des démarches, de porter plainte, etc. Ce sont des choses euh, différentes. On peut juste pousser une porte pour venir discuter et puis vérifier que ce qu'on vit n'est pas normal. Euh, mais ça peut être aussi pour les témoins des de, de violences qui sont faites aux femmes que ce soit psychologique ou physique c'est de d'insister de, de, de pour que les témoins interviennent euh, alors intervenir ne veut pas dire faire à la place des femmes de toute façon ce serait pas une solution mais intervenir ça peut être de dire euh, j'ai vu j'ai vu que ce que tu vis ça n'est pas normal euh, si tu as besoin d'aide je suis là quoi j'ai vu et je suis là si tu as besoin de moi J'espère que vous écouterez ces messages et si vous avez des, des difficultés comme celle-ci, si vous subissez des violences, n'hésitez pas à aller frapper à la porte du planning familial ou de Solfa ou d'appeler le 3919. Merci Nadine et merci, merci Zachary. Merci.